Bonjour à tous, nous allons voir ensemble comment j'ai peint le buste de Deadpool imprimé en PLA avec une Inkjet 3 Pro. J'ai préalablement appliqué une base noire sur ma figurine pour préparer les ombres. On commence par la couleur dominante, c'est-à-dire le rouge, que j'applique à l'aide de l'aréographe. Je vous mets en description toutes les références de peinture que j'utilise. Alors j'évite de trop surcharger le rouge, j'actionne très légèrement l'aérographe pour avoir de fines couches qui permettront au noir de ressortir et de faire de l'ombre. Même si je n'ai pas appliqué du rouge sur les parties qui doivent rester noires, je repasse au pinceau pour accentuer et ressortir ces parties-là. Maintenant, j'applique les couleurs sur le buste, donc le marron pour la ceinture, le blanc sur les yeux et la carte sur son épaule, et la couleur argent sur différentes parties du buste.
Pour le socle, j'utilise la technique du brossage à sec. Alors pour cela, je prends un pinceau à poil court et dur. On met très légèrement de la peinture sur le pinceau et on frotte sur de l'essuie-tout pour ne laisser qu'une infime quantité de peinture sur le pinceau. Alors j'évite de trop appuyer pour laisser un léger voile de peinture sur la partie en relief. Pour mettre en valeur la ceinture de Deadpool, je mélange le marron à du noir pour obtenir une couleur plus foncée et je dilue ce mélange à de l'eau. J'applique grossièrement le jus obtenu à l'aide d'un pinceau sur toute la ceinture. Ainsi, la peinture se fixe sur les creux et ça donne une impression d'ombre.